Avant de répondre à votre question, je voudrais vous remercier donc, de l'initiative prise pour cet entretien. Et je voudrais bien sûr saisir l'occasion pour renouveler la gratitude du gouvernement du Burkina Faso à l'endroit du secrétaire général des Nations Unies pour son engagement personnel et à toute l'équipe donc, du Bureau d'appui à la conciliation de la paix avec l'assistant secrétaire général Oscar Fernandez-Toranko. Et puis, bien sûr, à toute la communauté internationale pour tout l'appui dont le Burkina Faso bénéficie avec le Fonds de conciliation de la paix. Maintenant, pour répondre à votre question, comment est-ce que le Fonds de conciliation a-t-il eu un impact? Et depuis cet engagement, donc, les différents appuis dont nous avons bénéficié ont permis donc, de mener des activités de conciliation de la paix, aussi bien au profit des femmes que des jeunes, mais aussi de créer les conditions favorables du vivre ensemble, de la culture de la tolérance et au renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Et bien sûr, les nombreux projets qui ont été mis en œuvre ont permis de renforcer la confiance entre les populations locales et l'administration et les forces de défense et de sécurité. De nombreuses personnes, notamment des leaders communautaires, près de 2 500 leaders communautaires, membres de l'organisation de la société civile, des femmes et des jeunes, ont acquis des capacités de prévention et de gestion des conflits et se sont engagés à jouer leur rôle de vecteur de paix au niveau communautaire. Le Burkina Faso, pourquoi le Burkina investit dans le fonds de conciliation de la paix? La première raison, elle est bien simple, c'est par solidarité. Ce n'est pas parce que le Burkina est subitement devenu riche, non, mais c'est par solidarité. Parce que depuis que nous sommes engagés avec la Commission, nous avons bénéficié des soutiens des autres pays, des autres amis. Donc, nous aussi, nous nous sommes dit qu'il faut contribuer d'une manière modeste soit-il, pour montrer aussi notre solidarité avec donc, les pays qui en ont besoin. C'est pourquoi cette année, le Burkina Faso a décidé donc, de contribuer au Fonds de conciliation. Et il ne manquera pas s'il a les possibilités donc, de continuer encore à contribuer jusqu'à la fin du programme en 2024. Donc, c'est vraiment par un esprit de redevabilité, de citoyenneté mondiale que nous avons fait cette contribution au Fonds de conciliation de la paix.